Merci Loïc. Merci beaucoup. C'est très courageux ton témoignage. Mais c'est pas grave, tu sais. On est tous là pour t'écouter. Alors, quelqu'un veut se lancer? Un autre témoignage? Christiane? Moi je m'appelle Christiane. Bonjour Christiane. Et j'ai la phobie des poils. Oula. Oui, c'est pas grave, Christiane. On va tous ensemble trouver une solution. D'ailleurs, en quoi ça te bloque aujourd'hui dans ton activité, dans ton métier? D'ailleurs, quelle est ton activité? Quel est ton métier? Je suis esthéticienne. Oh non. Ah oui, quand même. Peut-être que l'un d'entre vous aurait une solution. Moi, je suis peut-être une solution. Elle devrait faire un prévisionnel et voir si les bœufs lui permettraient d'embaucher une ressource supplémentaire et auquel cas elle serait plus en contact avec la clientèle poilue. Super. Ah oui. Merci. Ouais. Merci Jean-Luc. Un autre témoignage? Oui. Bonjour Muguette. Bonjour Muguette. Je suis contente d'être parmi vous parce que justement je voulais vous présenter un endroit, un club où vous pourriez échanger sur vos problèmes. Mais dans la bonne humeur, dans des endroits conviviaux, en partageant des moments sympathiques. Est-ce que ça vous plairait? Ah ouais, c'est génial. 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 Eh bien, venez, merci. Je vais vous le présenter. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 50 ans. Bonjour Jean-Luc. Et ben voilà, moi j'ai ne supporte plus les chiffres pairs. Premièrement, dans ma vie professionnelle c'est compliqué, et vous imaginez. Troisièmement, que dans ma vie personnelle ça l'est encore plus. Pourtant hier soir j'ai réussi à faire un 4/4. Bravo Jean-Luc! Merci. Ah si, c'est un